J'ai commencé au football, en Belgique, en France, dans les catégories des plus jeunes. Et je me suis retrouvé en RDC et manque d'infrastructures dans le pays. Et puis la crainte de tout ce qui se passait autour du football, si vous pouvez me comprendre. Donc les histoires comme on dit mon Lili, je craignais un peu de continuer au football, j'avais laissé tomber. Et un jour, des amis que je peux citer aujourd'hui, Sven Sola, Indo Makitu, Hervé Mouboyaye et d'autres, le capitaine Sonny Bumba, sont venus vers moi, à la cité Mamboud précisément, pour me dire de faire une équipe. Donc je suis en même temps cofondateur d'une équipe du nom des Amani, qui veut dire la paix. Amani c'est en Swahili, qui veut dire la paix. Ça c'est en 1997, juste après l'entrée de l'AFDL. Nous avons créé une équipe. J'ai joué la première année. La deuxième année, j'étais la révélation de Kinshasa. Et j'étais transféré pour le BC Matongé, que je salue en passant le coach Feli, que je viens d'être avec lui à Kinshasa. Donc Dieu merci. Et après, je suis parti à la jeunesse à venir, donc du président Salomon. Et c'est de là que l'invitation est venue et ma première sélection. Je suis parti, j'étais sélectionné parmi les 5 jeunes de la RDC, dont 100 venant de partout de l'Afrique. Je suis parti rejoindre le camp de la NBA. Et après le camp, je n'ai pas eu la chance que peut-être les autres ont eu d'aller ailleurs. C'était notre pays à côté, notre États-Unis de l'Afrique, l'Angola, qui m'avait fait appel, que je suis fier. J'étais recueilli par Monsieur Carl Denige. Denige, donc, que j'appelle mon père, il m'a enseigné le basketball. Et lors des trêves, j'ai eu 3 ans sans vacances. Donc, lors des vacances, moi, je partais toujours dans des championnats à côté Mozambique. Je partais, il m'envoie en Écosse jouer. Donc, j'avais fait 3 ans sans interruption. Et après, j'ai pu maîtriser le championnat. Quoi qu'il y avait des difficultés, j'ai pu maîtriser le championnat. Après avoir maîtrisé le championnat angolais, la 5e année, il y a eu la Coupe d'Afrique en 2007. En Angola, le Congo, j'ai participé avec la RDC. Les résultats n'étaient pas fameux, mais j'ai distingué. Parmi les temps de joueurs, j'étais, si vous tapez Coupe d'Afrique 2007 sur Google, j'étais parmi le top 20 de l'Afrique. Sur 166 joueurs. Et c'est de là que l'aventure dans les pays arabes a commencé. Je devais me retrouver en Belgique, je me suis retrouvé en Tunisie. Après la Tunisie, j'ai fait 2 ans, j'ai commencé à partir. Je suis commencé par des contrats en Libye, au Liban, au Qatar. Donc c'est ainsi de suite. Donc le parcours a été vraiment long. Et puis j'ai fait l'Allemagne. Je suis revenu donc. J'ai fait de la Tunisie mon pays adoptif. Donc de la Tunisie, je pars vers les autres pays pour des contrats. Et c'est de là, après avoir observé tout ce qui se passait autour de moi, c'est là que j'ai lancé la fondation, donc où je réside. Le siège se trouve ici. Donc en matière de trophées, en sortant de l'Angola, j'étais le meilleur rebondeur du championnat angolais. Ça, c'est des trophées individuels. En venant ici en Tunisie, en 2007, j'étais le meilleur joueur du championnat. Meilleur étranger, disons, si je peux séparer les deux. J'ai joué dans 8 équipes. J'ai été 4 fois champion avec 3 équipes différentes. Donc, c'est un peu ça. En Libye, j'ai pris la Super Coupe. J'ai pris la Super Coupe aussi au Liban, en Allemagne, avec le King of Congo. Nous avons pris un trophée. Donc si je dois citer des petits trophées, il y en a tout plein. Donc, et moi-même étant formateur maintenant de la jeunesse, j'ai eu des trophées. Donc c'est un processus vraiment qui n'est pas encore arrêté, qui est en train de continuer. Donc voilà. Quelque part,
Moi, je partage l'avis parfois des parents. Pourquoi? Parce que les sports, c'est éphémère, déjà de 1. Et les parents doivent être 50-50. Ne pas trop serrer les enfants, mais en même temps, donner la possibilité à ces enfants-là d'émerger. Et en même temps, de serrer aussi côté études. Pourquoi? Parce que nous avons vu des carrières qui ne sont pas. Si on doit citer, il y a combien de Shabani Nonda sur tous les sportifs qu'il y a au Congo? Il y a combien de Mutombo Dikembe? Il y a beaucoup d'athlètes, mais peu réussissent. Il faut aussi voir ce côté-là. Si moi, aujourd'hui, je finis les études cette année, que je n'avais pas invoquées, je suis en train de faire mon travail de fin d'études, j'aurai un master en management, administration des affaires, cette année. C'est parce que j'ai su connaître mes limites, les capacités et voir où je pouvais me lancer. Donc du coup, cette question, quand on me la pose, je suis partagé. Je suis côté parent et côté athlète. Donner la possibilité aux enfants d'émerger, de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs rêves, et de pas aussi les laisser et les enfants n'aient pas s'entêter à vouloir tenter de rêver où il n'y a pas lieu de rêver. Je demanderai aux parents d'aider les enfants à pouvoir émerger. Moi, j'ai eu la grâce et une mère qui m'a appuyé, qui m'a donné une paire de baskets, qui m'a donné de l'argent de transport pour aller jouer. Dieu merci, je remercie maman Hélène Mouloudi et je t'aime en passant, donc je profite de l'occasion, qui m'a donné cette opportunité. Il y a des parents qui n'ont pas cette possibilité-là à donner à leurs enfants. Il y a des enfants. Je donne juste un petit exemple de Romain Sato, un joueur centrafricain qui est passé par la NBA. Il prenait une paire de baskets, il prenait des bottes de militaire, il partait chez le cordonnier pour coudre, pour aller jouer. Il n'a pas eu l'opportunité que j'ai eue. Il s'est retrouvé à la NBA, aujourd'hui il joue à Valence. Il n'a pas été appuyé par les parents. Il savait qu'est-ce qu'il voulait et il connaissait sa valeur. Donc du coup, combien y a-t-il de Romain Sato en Afrique? C'est un centrafricain. Donc, je partage l'avis des parents. Les parents aider les enfants à émerger et voyez le juste milieu pour tenter aussi d'inculquer la valeur de l'éducation, qui est une formation soit professionnelle par rapport à ses aspirations et aussi une formation normale, académique, scolaire.